Et c'est parti, let's go contre un sacré 195 pour la chaîne Sape 2. Et c'est parti, Blue Sacrifice. Peut-être que son pseudo est coupé, c'est pas impossible. Je teste ce mode pour voir. Donc j'espère qu'il ne joue pas à l'arc. D'après les résistances, pas d'arc Guten Tag en vue. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi parce que c'est un des seuls défauts contre les sacrés. Et les full invoque. Mais là pour l'instant il se met beaucoup d'érosion. Ça c'est pas bon signe pour lui. Hein. Enfin faut éviter. Quoique non en fait vu que je le one shot. Petite ellipse. Bon. Tout est bon dans le sacré. Tout est bon dans le sacré. Ça c'est pas nouveau. Vu que c'est assez auto-win. On va quand même lui dire un petit SLT. Parce qu'il y a du respect. Bon, je touche combien là? 73 au répulsif. De toute façon, je vais pas jouer là-dessus. J'aurais peut-être testé un mode air et feu. À mon avis, c'est le carnage. Hein. Air-feu, c'est ce qu'il vous faut. Mais j'ai la flemme, je suis resté en Shenmue. Et puis, il faudrait que je le pare-cheveux au sort aussi, mon petit SRAM. Parce que voilà quoi. Pas pare-cheveux sort. C'est pas cool. D'accord. Donc, j'ai cramé 8 PA pour cette merde. Fucking épée volante. Oula, je me suis passé comme un teubé en plus. On se cache ici. Ah, il me touche pas, c'est bon. Signe du chevalier d'Astrub. Quelle est cette chose? Ah, il a un nouveau. Ça doit être un compagnon. Ah, il a un compagnon, je connaissais pas. Enfin bref, on fout un peu des compagnons, mais s'il y en a un nouveau, ça peut être intéressant. Alors, saut. So. Comme on dirait en anglish. Que se passe-t-il dans ce jargon? Alors, il me reste quelques PA. PA. Et on va essayer de le brain. Bon, j'aurais pu essayer des formes exotiques, on va dire ça comme ça, mais... ouais, je sais pas. Il a mal joué, là. Il aurait dû d'abord me tirer. Bon, il arrive quand même à passer un petit marteau de moon sympathique. Il faudrait essayer... Je joue un petit peu sur les répulsifs. On va try ça après, mais bon. Bon, je suis tour 5, toujours pas mis invisible. Faudra peut-être que j'y pense, un de ces 4. À passer invisible, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger, je trouve. Oula, attention, là où il se place. Voilà, ça, il devait s'y attendre. Il veut pas réattirer, normalement. Donc, peut-être un coup d'arc, s'il en a un, mais je crois pas. Sinon, bah, il va tout simplement passer son tour. Coopération. Peut-être un peu con de cramer sa coop maintenant. Enfin, j'en sais rien. Bon, personnellement, je trouve un peu, mais bon. Alors. Je continue mes petits pièges. Vous allez voir, ça devrait pas être très long. Je vais essayer de faire assez rapide. Pour sa P2, comme ça, au moins. Au Calmus, hein. Spartacus. Ah, il a que 9 PA, le mec. Ouais. J'ai pas vu. Bah, il a beaucoup. Enfin, beaucoup de vita. Ça reste correct, la vita. Mais 9 PA, c'est vrai que c'est moyen. Mais à mon avis, il rocks pas mal vu qu'il a seulement 9 PA. Peut-être un autre ma ah, dans Marteau de Moon, c'est tous les deux. Ah, la petite épée volante que je vais aller tuer. Enfin, j'espère. Ouais. Enfin, je vais quand même devoir cramer pas mal de PA pour cette merde. Tant pis dans le lit. Alors, si je me casse ici, ouais, je devrais éviter l'attirance si je ne me trompe pas. En me plaçant. Donc, tac, ici non. Voilà, parfait, j'évite l'attirance. Plutôt bon signe. On est tour 7. 4 minutes de jeu. Et j'ai combien de pièges en haut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pièges, ça tape pas mal déjà. Mais il va m'en manquer un petit peu si je veux le tuer. Mais je me suis toujours pas mis invisible. Hein, mais bon, il y a limite pas besoin. Je pourrais essayer une tentative de brain. Non, ça va être compliqué. Ah, il m'a enlevé pas mal de portée, le petit zigoto. Je suis sur la case que je voudrais cibler, ça c'est pas une bonne chose. Allez hop, on bouge. Alors attendez. Tac. Je réfléchis. Ah oui, je vais faire une. On va essayer d'améliorer un petit peu notre réseau. On va l'exotiser, on va rafler des répulsifs, attention, c'est rare. Parce que les répulsifs maintenant, il n'y en a plus besoin, mais bon, moi je suis une racaille, j'ai en rajouté. Putain, le malus PO de Marteau de Moon est assez énorme quand même. Je
sais pas, il y a un mec qui m'a parlé, je sais pas ce qu'il me dit. Que tu devais me donner. What the fuck, depuis quand je dois des camas aux gens? Mais les gens ils s'inventent des trucs, mais. C'est nawak, sérieux. Depuis quand je devais des camas, hein, mec? Non, mais sérieux. C'est des conneries. C'est comme les fakes de moi, sont toujours assez marrants. Donc. Tac, bon, voilà, c'est bon, là, regardez, deux répulsifs, faites touching, il va invoquer du merdier là-bas, c'est obligé. Ah, le chauffeur va un petit peu faire chier, l'arachne aussi. Aucun des deux peut aller déclencher tout le réseau. Bon, ah si, bah si, peut-être l'arachne. Mais le pire, c'est le chauffeur, mais bon. Pour l'instant, ça va. Il m'a enlevé un répulsif, ça y est, il croit que c'est la fête. Il croit que c'est la fête chez Bamboo là. C'est bon quoi, calmos. Calmos, Marcos. Alors. Calmos, Marcos, Marcos, Calmos. Allez, toi tu vas là. Est-ce qu'on va mettre un petit double? Un petit double. Ah merde, j'ai plus que 2 PA, putain, les vieux bugs d'affichage, bordel d'anus. Oh, c'est assez sale. Il veut que je le booste. Oh, je me suis mal placé, j'aurais dû me décaler une case. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, 2 pieds de sacré. Il aurait dû faire Fury avant d'ailleurs, si, surtout s'il veut que je le booste. Mais bon, c'est gagné. Sauf si le chauffeur vient casser les. Non, mon réseau, sinon c'est gagné. Alors. Ah, peut-être l'épée qui. Non, c'est bon. L'épée gêne pas. Un petit peu peut-être. Oh là là, il est con. Bon, c'est pas grave. Ah si, l'épée fait chier. L'épée fait chier. Mais je crois que ça va quand même si bien. Alors, toi, tu me casses pas les trucs plus longtemps. Ah, j'ai pas de portée, hein. Je n'ai guère portée. Alors, normalement, ici, c'est bon. Tac, tac. Merde. Oh, je me suis placé comme un teubé. J'ai fail. Oh là là, je me suis mis dans la mauvaise ligne. Oh putain, quel con. Oh, quel teubé. Quel teubé. Alors, attends, peur. Bon bah oui j'ai pas vu que j'étais à la mauvaise ligne. C'est pas grave. Oui bon, il m'a soigné un petit peu là en allant dans mon piège, bordel d'anus. Je galère. Oh je vais devoir attendre un tour en plus avec mon concentration de chakra qui revienne. Bon allez tape-moi. L'épée. L'épée. Tu vas clapser, s'il te plaît. Voilà. Donc là il devrait avancer. Comme ça. Putain ouais j'ai fait. J'avais pas vu que j'étais dans le mauvais cas parce que en fait il me manquait 2 PA. Bon ça c'était prévisible hein. Voilà bon plus 4800 points de vie, j'ai réussi à en enlever un tout petit peu grâce à ça. Mais c'est pas intéressant, moi j'ai du vrai PDV à enlever. Putain ça fait durer ces conneries. Alors. Alors. Donc toi du coup tu vas. Là, nanana, j'ai une portée de Tchécoslovaquien. Allez, c'est parti comme ça. Oh, je lui fais un petit peu de dégâts en plus. Où il vient? Il va taper, il va me trouver, mais c'est pas un souci normalement. Il n'y a pas de problème. Allez, il va être tout content. Il m'a trouvé. Oh là là, ouh, le placement merdique. Bon, bah, GG, hein. Placement merdique est égal. Mais bon, après, il le sait pas clairement, c'est vrai qu'il sait. Il se peut pas savoir où faut pas aller, où faut aller. Mais bon, on lui dit à plus dans le bus quand même. Pour le respect. Bon, peur c'est où c'est là. Et à plus, yeah. Oh, je pense qu'il crève. Hein. Ouais, oh, s'il crève pas, je suis blasé. Ah, il a pas dû crever. Hein. Peut-être s'il crève pas, c'est de très peu, je pense. Ah bah si, il est mort. Je me disais bien aussi que c'était pas possible de survivre à un réseau de Celsius en fait. Loul. Louloulou, bien joué à Blues Sacrifice. Oh, un éca. Il y a plein d'éca dans ce jeu maintenant. C'est blindé. Bon, bah, plus les gens de CP2.